Bonjour les amis, je vais vous donner des conseils qui valent de l'or, je vous assure. C'est une déclaration que je vais vous faire qui va vous étonner, vous et tout le monde. C'est que le truc que je vais vous dire, il est normalement insolite. Je n'ai jamais entendu parler comme ça. Mais dernièrement, j'ai découvert un truc très très important. Alors, pour vous et pour les débutants surtout, il ne faut jamais commencer par acheter une formation sur Internet, quelle qu'elle soit, parce que elle va vous mener droit devant un mur psychologique que je vais vous expliquer. Normalement, bon, vous avez besoin d'argent. En général, vous avez besoin d'argent. C'est votre but final pour que vous vous trouviez un jour dans votre ordinateur, dans le web marketing. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on vous propose et qui sont vraiment très très intéressantes parce que la promesse est après, juste après avoir acheté la formation. Vous achetez votre formation, vous allez normalement suivre toutes les leçons qu'on vous donne à travers les vidéos qui sont dedans. Et puis, à un moment donné, bon, une fois que c'est terminé, vous allez vouloir passer à l'action. Bon, vous êtes à ce stade-là, on vous dit la première des choses, c'est le problème final, c'est-à-dire le problème numéro un qui se pose à tout le monde, aussi bien à vous que aux professionnels de formation, c'est l'histoire du trafic. Bon, il faut quand même que pour que ça marche pour vous, il faut que vous cherchiez le trafic, des gens qui vont acheter. Vous êtes débutant ou un peu débutant, et puis vous allez commencer à envoyer beaucoup de contenu. Sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram peut-être, sur toutes les plateformes qui vous passent par la tête, là où vous vous sentez le mieux. Et vous allez travailler pendant longtemps, longtemps, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Ni les likes, ni les abonnements, ni les adresses. Pour l'histoire des adresses, qu'on vous dit, bon, pour récolter les adresses, ben, il faut amener les gens à vous envoyer leurs emails, leurs noms. Et ça se fait pas comme ça, c'est pas un truc que on dit aux gens et puis vous voyez ça. Donc, il y a une technique, une procédure bien étudiée qu'il faut utiliser. Et cette technique, elle se trouve, elle passe par des autorépondeurs. Ok? Donc il y a un petit truc technique qu'il faut mettre. Il faut prévoir beaucoup de choses, comment vous allez récolter les adresses, comment vous allez les classer par catégorie, par tag, et ainsi de suite. Vous voyez, seulement cette étape-là, ben, ça vous pose un problème. Parce que pour vous, normalement, psychologiquement, un autorépondeur ou un outil complet comme ClickFunnels, il ne vous donne pas de l'argent. C'est-à-dire que votre but, que vous vous êtes tracé, que vous avez acheté une formation, c'est de gagner de l'argent. Alors que psychologiquement, vous dites que bon, ce truc-là, le répondeur automatique, ben, il va m'amener d'un point A à un point B. Mais je ne vais pas gagner de l'argent, donc je vais seulement le payer. C'est-à-dire qu'il va me rendre un service, je vais le payer et puis je suis livré à moi-même. C'est ce que vous vous dites. Mais le problème, c'est qu'on ne vous a pas prévenu avant. On est passé seulement superficiellement sur le problème, en attendant que vous achetez, puis on va vous dire ce qu'il faut. Parce que la formation, elle continue. Vous achetez, la formation n'est pas complètement achetée parce qu'il y a d'autres informations à récolter à droite et à gauche et qui vont coûter de l'argent et il faut aussi tout les apprendre
et ça va vous coûter aussi du temps. Donc vous êtes devant un mur, ok, c'est clair et net. Vous êtes bloqué, vous êtes coincé, et vous pensez qu'on vous a eu. C'est le sentiment qui se passe dans la tête de tout le monde. Puis vous allez vous intéresser à ce qu'on vous raconte sur les facilités pour passer cet obstacle. C'est-à-dire qu'on va sortir l'histoire de l'affiliation. Là où vous n'avez pas besoin de créer quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'être technicien, vous n'avez pas besoin de ceci, de cela, de chercher des adresses et tout ça, c'est pas votre tasse de thé. Ok ? Et puis, vous allez vous engager. Bien entendu, c'est une opportunité qui rapporte de l'argent, à condition d'être quand même aussi professionnel, parce qu'il y a aussi un apprentissage dans l'affiliation, c'est pas quelque chose d'aussi facile que ça. Et le problème, c'est qu'une fois dans cette étape-là, qu'est-ce qui vous arrive ? Bon, vous allez envoyer des vidéos, par exemple, sur Facebook, rien que pour l'exemple, sur Facebook et sur YouTube, ok, et vous pouvez continuer ça pendant très très longtemps, vous n'aurez rien, vous allez quoi, c'est pour ça que la plupart des gens abandonnent même avant d'avoir commencé, ok. Je vais vous dire un exemple pour que vous puissiez comprendre comme il le faut. Vous savez que, par exemple, chez les sociétés, par exemple, moi j'ai travaillé dans un organisme de presse, dans un grand journal, et il y avait un parterre d'agents commerciaux. Les agents commerciaux, ils ont leur fonction, c'est... Ils sont toujours accrochés à leur téléphone, ils sont toujours en train d'appeler à droite et à gauche pour qu'ils puissent avoir des insertions publicitaires à mettre dans le journal. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Ils travaillent à la commission comme si s'ils étaient affiliés au journal. C'est à peu près ça. Seulement la différence entre l'affiliation et ces agents commerciaux, ils vont contacter des gens que personne ne soupçonne parfois. Des sociétés, Vraiment, c'est un métier, c'est un grand métier. Il faut vraiment être très très hargneux à tel point pour avoir des clients là-dedans. Et bien entendu, ils vont contacter des gens, des noms, des responsables, des gens qui sont physiques, qui répondent comme ça en face à face, et qui vont laisser leur nom, qui vont laisser leurs adresses, qui vont laisser leur téléphone, qui vont laisser des cartes de visite et tout ce qu'on veut. Ça, une fois que l'agent commercial a effectué ce pas-là, il a gagné quelque chose, il a gagné un contact. S'il est amené un jour à quitter le journal et qu'il aille dans un autre journal, son contact, il est toujours dans son portefeuille, il l'emporte avec lui et puis il va le contacter dans l'autre cadre, enfin, le cadre de l'autre journal. Vous avez compris. C'est la transaction se fait comme ça, c'est-à-dire, bon, il va avoir mettre sous le nez du client, du prospect son bon de commande, il va adresser un budget et tout ça, il va ramener l'insertion au journal, ça va passer, et puis la comptabilité, ce n'est pas lui qui fait la comptabilité, c'est le journal qui a son service de comptabilité, de recouvrement et tout ça. Ok. Et c'est ainsi que l'agent commercial, partout où il va, il a une liste de clients, de contacts, qui sont prêts à le suivre partout. C'est exactement la même chose pour Internet. Seulement, pour l'histoire de l'affiliation, on vous donne un lien personnel en votre nom. Si ce lien est cliqué par un internaute que vous ne connaissez pas, parce que vous lancez
vos promotions un peu partout et vous ne savez pas qui est en train de lire votre annonce et qui est sur le point de cliquer sur votre lien. C'est-à-dire que c'est l'inconnu le plus absolu. Rien. Et une fois que c'est pas 10, 20, 100, 200, 500 personnes ont cliqué sur votre lien, ils vont contacter directement le producteur, le vendeur, c'est-à-dire celui chez qui vous êtes affilié. C'est jusque-là, c'est clair et net. La transaction va passer entre le vendeur et le client par-dessus votre tête. Vous allez gagner une commission et puis chaque fois que le client achète quelque chose d'autre, parce que c'est toujours par le biais de, il est déjà inscrit dans votre lien, vous allez gagner quelque chose. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs. Seulement, ils ne sont pas sûrs. C'est-à-dire, vous êtes, c'est pas moi, accroché à quelque chose que vous ne savez pas. C'est-à-dire à une corde qui vient de nulle part, à rien. Vous êtes dans le désert, vous créez, vous avez un revenu passif, mais vous ne savez pas avec qui vous faites votre commerce. Ok ? Ça, c'est le truc le plus un peu le plus dur dans l'affiliation. Il faut pas faire une vente, deux ventes, dix ventes, dix affiliations à des produits, mais il faut continuer à pédaler, à pédaler, à pédaler, à pédaler pour alimenter votre revenu passif, parce que c'est jamais sûr. On ne sait pas ce qui se passe à l'autre bout de l'histoire. Si par exemple dans le truc du journal, si le journal fait faillite, l'agent commercial il peut aller dans un autre journal ou dans n'importe quel autre secteur d'activité, mais il va avoir quand même ce patrimoine et puis il va savoir s'il peut travailler avec eux, avec ses contacts ou pas. Voilà, vous comprenez maintenant. Donc vous êtes dans le désert. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire bien entendu à votre affileur et vous allez et qui va vous envoyer vos commissions et puis c'est tout. Mais pour alimenter quand même l'apport, le revenu passif, il faut continuer à pédaler, à pédaler, à pédaler. Donc vous êtes aussi devant un problème. Vous voyez. De l'autre côté, si vous voulez reprendre votre formation pour gagner de l'argent, le problème c'est qu'il faut passer par d'autres biais, c'est-à-dire un autorépondeur ou un outil de gestion de vos affaires. C'est-à-dire que l'argent, vous êtes devant un mur et l'argent est de l'autre côté du mur. Vous êtes bloqué derrière le mur. Si vous utilisez les outils, vous passez les outils et vous êtes en face, vous êtes dans la région où il y a de l'argent. Sinon, vous restez toujours en deçà du mur et il faut utiliser par exemple l'affiliation, mais l'affiliation ne vous fait pas passer de l'autre côté du mur pour être en contact avec l'argent. Bon, on vous donne l'argent, mais ça vous tombe du ciel. Hein. C'est comme de la pluie dans un désert. Ben, vous voyez un peu la ressemblance. Donc, quelle est la solution à ça? Parce que c'est très grave. Je veux vous dire, il ne faut pas prendre une formation à vos débuts. Une fois que vous avez assuré vraiment le contact avec tout le monde, à ce moment-là, vous pouvez acheter autant de formations que vous voulez. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous passez par une formation, c'est pas sûr que vous allez gagner de l'argent. Parce qu'il y a des obstacles à passer, et les obstacles, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Ok ? La seule
le seul truc qu'il faut faire depuis le début, parce que c'est un truc qui va résoudre complètement votre problème. Vous n'allez plus avoir de problème. Une fois que vous passez cet obstacle, c'est pas un obstacle, c'est pas un obstacle, c'est quelque chose qui va vous aider à être dans la région où il y a de l'argent. Vous n'allez plus être derrière le mur en train de vous poser énormément de questions, de procrastiner, de finalement abandonner et regagner votre zone de confort. Ok, alors, un chiffre. Quand, par exemple, on vous vend une formation, certains formateurs disent un truc qui est réel parce que c'est vécu et ils sont honnêtes pour le dire. Ils disent attention, c'est pas facile, il faut bosser comme il le faut. Bosser comme il le faut, vous l'avez fait, mais qu'est-ce que vous a amené? Ça vous a poussé à aller vers la filiation, et puis la filiation n'a pas résolu tous vos problèmes. Okay? Il y a ici de la psychologie. Avant, par exemple, il faut penser un peu stratégie, mais comme par exemple la plupart du temps, les débutants, on ne pense pas à ça, on va foncer et puis c'est tout. Je reviens aux chiffres. Les formateurs disent que, attention, ce domaine-là, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être persévérant, il faut pas travailler pendant des années, il faut, ben, ils vous préviennent honnêtement. Pourquoi? Parce que il n'y a que une personne, deux personnes, trois personnes, peut-être quatre personnes, rarement cinq personnes sur 100 qui peuvent arriver à leur autodépendance financière. Vous avez compris? Ça, c'est pas moi, je n'invente pas ce chiffre. C'est les formateurs qui vous le disent. Donc, les 95% au moins, là, ils sont refoulés, les gars. Le problème, c'est que tout le monde s'est vu parmi les 1%. Mais tout le monde, c'est pas 1%, c'est 100%. Donc, il n'y a que 1 à 5 personnes qui passent et les autres, ils sont jetés à la poubelle. Ils auraient entre-temps perdu leur argent, leur temps, leurs espoirs, tout. Donc, ben, quoi, ils vont s'abandonner à la misère, tout ça. Ok? Le seul moyen, c'est de commencer obligatoirement par un outil. Les outils sont ClickFunnels, qui est américain. Ils sont plusieurs, hein. C'est pas la peine que je les dise tous, mais tous, il faut la chose suivante. Ils vont gérer toutes vos affaires. Je vais vous lire enfin, toute la liste par laquelle ils passent. Pas toute la liste parce que la liste est beaucoup plus fournie que ça, mais ils vous auront permis de tout prévoir dans votre dans vos transactions commerciales. Voilà, on parle comme ça en termes compréhensibles, parce que si j'utilisais le jargon, la plupart d'entre vous ne va pas comprendre. Donc tout prévoir. La capture des emails, ils sont tous chez des autorépondeurs. C'est des sociétés qui ne font que ça. Mais ça échappe. Ce point-là, il échappe aux outils. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de constituer votre liste personnelle, c'est votre capital finalement, votre fonds de roulement, parce que c'est la liste, c'est là où il y a de l'argent. Donc automatiquement, vous êtes dans la zone là où il y a de l'argent, de l'autre côté du mur, voilà, il vous facilite ça. Et ça fait passer tous les prospects par ce qu'on appelle un tunnel de vente, parce qu'il y a beaucoup d'étapes pendant ce tunnel de vente. Chaque marge, si vous voulez,
correspond à une action, chaque marche correspond à une autre action, et ainsi de suite, progressivement, pour amener le prospect à devenir un client, et chaque client en client potentiel. Puis, la vente. Vous allez vendre quelque chose à quelqu'un. Et puis, il y a une livraison. Donc, vous devez livrer quelque chose, un produit à quelqu'un. Et puis, il y a la facturation, style comptabilité et tout ça. Donc, c'est aussi. Et puis, il y a la relance dans le cas où vous voulez encore envoyer un produit, un autre produit, un nouveau produit, une relance, c'est pas moi, un service après-vente et tout ça. Voilà. Ce qui veut dire que ce que je viens de vous montrer là, c'est, si vous avez un peu d'imagination, c'est un travail de société. C'est, vous n'êtes plus tout seul en train de travailler dans votre cuisine ou dans votre lit. C'est un travail vraiment de société organisée avec son local, avec son mobilier, ses ordinateurs, ses coursiers, enfin, tout le personnel, le RH, les problèmes des gens, les retards, les absences, la paye, le recouvrement, tout ça, mais vous êtes tout seul, mais cet outil-là, il vous assure ce travail-là. Vous avez très peu de temps à consacrer à ça parce que ça marche automatiquement. C'est complètement automatisé. Il y a un formateur qui parle de je me suis cloné pour travailler, pour mener à bien mon travail, pour me consacrer à rien qu'à ce que je suis en train de concocter pour la clientèle. Vous voyez? Donc c'est clair et net. Vous êtes dans une société tout seul, mais vous êtes dans une société où il y a personne. Il y a seulement de l'automatisation avec des robots et tout ça. Sauf, bien entendu, les outils, mais ils ne vous amènent pas des clients. C'est-à-dire la fameuse capture d'email, ça passe par d'autres sociétés, dans le cas de, par exemple, GetResponse. Et c'est eux qui sont qualifiés pour vous ramasser des adresses email. Okay? Sauf un. Celui-là, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il y a un outil où ils ne sont pas obligés de passer par les auto-répondeurs des autres. Ça, tout est intégré dans cet outil. Même le blog, un petit blog, mais un blog, quand vous avez des vidéos à déposer là-dedans pour les envoyer ailleurs, il n'y a pas de problème, des PDF, des cadeaux et tout ça. C'est-à-dire qu'il fait tout. C'est votre femme de chambre, c'est votre femme de ménage, voilà, c'est quelqu'un qui est votre bras droit, il fait tout pour vous. Et il n'est même pas payé parce que si. On considère le travail que cet outil fait. Finalement, si vous avez une société, ça vous aura coûté extrêmement cher en salaire et en trucs sociaux. Okay? Cet outil, j'ai choisi, c'est System.io. System.io, il est français. Donc, tous les francophones ne passent pas par les autres, surtout américains. Parce que les ClickFunnels, c'est tout ça, c'est en anglais et c'est très 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 dur à suivre parce qu'ils sont dans le web marketing en américain, ben, c'est pas évident du tout. Déjà avec le français, on ne s'en sort pas. Alors imaginez, vous êtes dans un autre bled où les gens parlent un autre langage et que s'ils sont dans le web marketing, c'est pas. Pas donné. Deuxièmement, parce que System.io n'est pas cher. Il est vraiment abordable pour tout le monde. Extraordinaire.
Alors, ClickFunnels, c'est combien le plus bas prix chez eux? C'est 99, 90 euros par mois. Il faut les sortir. Si on n'a pas de clients, on va souffrir. Troisièmement, j'ai dit que l'autorépondeur est inclus dedans. C'est très bien. Et qu'il y a aussi un blog, il n'y a aucun problème. Je ne parle pas des autres parce que les tunnels de vente et tout ça, tout ce que j'ai dit en les survolant, bien entendu, ils sont tous dans System. Et puis, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il est très très facile. Vraiment, une fois que vous l'avez compris, vous pouvez travailler très facilement. Les autres, ils sont un peu tirés par les cheveux. En fait, je ne veux pas dire du mal, mais bien entendu, à côté, si c'est un point lourd, c'est plus facile. Voilà. C'est-à-dire qu'il remplit tout son, toutes ses tâches comme il le faut. Ça ne vous coûte pas beaucoup d'argent, c'est facile, il y a tout dedans. C'est quand on s'y met, on est dedans, on n'en sort pas. Parce qu'on a tout à côté de. On est chez soi, hein, tout est à côté de soi. On prend ça, ben, tout ce qu'on demande est là. Vous voyez? Donc l'histoire de WordPress et tout ça, je sais, bon, c'est beaucoup plus costaud WordPress. Mais moi personnellement, je vous assure, pour envoyer un PDF, j'avais un blocage, c'est pas dû au paiement ni rien du tout, c'est un truc de chez eux, et que je suis moi bloqué, par contre, pas bloqué pendant 6 mois pour envoyer un PDF. Vous pensez que ça m'arrange dans mes affaires? Pas du tout. Donc il faut passer par un outil. Et l'outil, la différence entre l'outil et les formations, c'est que, comme j'ai dit, les formations, vous les achetez. Moi, j'ai 35 formations que j'ai achetées. 35. Il a fallu attendre beaucoup de temps avant de mettre le nez dans le système.io pour que je comprenne ce que je suis en train de vous dire là. Je vous assure que c'est frais. Cette information est très fraîche. OK? Pourquoi? Parce que la formation, elle ne vous garantit pas de gagner votre vie. C'est clair. Vous avez, rappelez-vous, l'imagination du mur et que l'argent, c'est de l'autre côté du mur. Mais il faut passer par d'autres biais. Et ces biais-là, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Mais ça veut dire qu'on commence par, c'est pas moi, par rêver, on n'est pas dans le rêve. C'est-à-dire que si vous passez par un outil, vous êtes dans le rêve, réellement, parce que vous pouvez commencer à gagner de l'argent. Alors que la formation, c'est pas sûr, c'est pas sûr du tout. OK? D'où le 1% et 5% de gens qui peuvent gagner bien leur vie. Ah ben, il y a des chiffres, il y a tout, hein. Je ne vous raconte pas des blagues. C'est pour ça que je vous ai dit, quand je vais annoncer la nouvelle, ça va vous choquer. Peut-être que ça va vous dire, celui-là est en train de comprendre, c'est un dingue. Peut-être, peut-être. Ok. Bon, jamais une formation ne vous garantit de gagner de l'argent. Jamais. Et puis, c'est sûr qu'un outil vous garantit de l'argent. Une fois que vous avez maîtrisé l'outil, qu'est-ce qui va arriver? Imaginez que vous êtes capable de prendre tout ce que vous voulez et de gagner de l'argent le plus rapidement possible, parce que vous aurez quand même, enfin, toute cette logistique, toute cette qui est derrière vous, avec vous, pour faire marcher comme il le faut votre affaire. Alors que le contraire, non. Ben, il fallait encore aller chercher, recruter des gens, recruter des postes, recruter ceci, recruter cela. Vous voyez la différence. C'est-à-dire, vous commencez sans rien, c'est-à-dire vous ne connaissez rien, vous ne voulez rien faire. Vous allez apprendre l'outil.
Et l'outil, il va vous mettre à chaque instant toutes les possibilités de comment réussir à gagner de l'argent avec n'importe quelle formation. Ça va très très vite. C'est tellement vite que vous allez être opérationnel très très vite et vous allez être presque professionnel très très vite. C'est clair? Ok? La formation, il ne faut pas rêver. Il faut avoir peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas inventer un truc pour dire, voilà, c'est la formation, il va vous donner ceci ou cela. Mais il faut voir, parce que il y a un certain nombre de formateurs qui vraiment prennent à mal dans le cœur pourquoi les gens qui achètent chez eux n'arrivent pas à décrocher. Imaginez, ça les rend malades. Ce n'est pas le cas des outils. Les outils, ils vous mettent dans les rails, c'est-à-dire vous êtes père de un fils à papa. Le papa, il vient, c'est l'outil. Okay. Il va vous mettre tout un staff sous vos ordres. Il va vous mettre dans un siège extraordinaire, le mobilier, les outils de travail, tout. Il vous aura réglé tous les problèmes de déclaration, machin, comptabilité, patati et patata. Et vous arrivez, vous commencez à imaginer comment vous allez faire. Mais c'est là votre travail essentiel, c'est qu'il faut que vous vous armez ailleurs. Sur la façon de créer des idées, de faire du marketing réellement, d'aller là où il le faut, ça c'est un autre travail, c'est un autre travail. Donc il faut que vous soyez vraiment très intelligent pour le faire. La solution finale, c'est il faut commencer par les outils et puis vous faites ce que vous voulez. Ok? Ben, j'espère que ça vous a apporté énormément d'informations. J'espère de tout cœur que vous lâchiez un peu à quoi vous rêviez, à quoi vous accrocher pour gagner de l'argent, alors que suivant cet argumentaire, je vous ai expliqué exactement ce qui vous arrive, parce que le plus court chemin pour gagner de l'argent, vous êtes ici et l'argent est là. Le plus court chemin pour partir de là à là, il passe par l'outil. Sinon, si vous passez par une formation, vous allez partir d'ici, vous allez être là, et peut-être jamais vous n'arriverez là. Vous avez compris? Donc, moi, j'ai commencé avec System.io. Vous pouvez regarder System.io. Je vous ai laissé un lien pour entrer directement dans System.io. Et je ne vous cache pas que c'est pas cher. Ce que vous allez payer à System.io, si ça vous intéresse, en passant par moi, ils vont me donner une commission, mais c'est System.io qui va me donner la commission et ça ne va pas vous coûter plus cher. C'est-à-dire que vous passez par moi ou par System.io directement par quelqu'un d'autre, c'est exactement le même prix et que bon, c'est System.io qui distribue comme ça les. Et puis, ce que j'allais oublier, c'est très intéressant. C'est que quand vous êtes dans System.io, vous allez comprendre un truc auquel vous n'avez jamais pensé. Au début, vous avez imaginé que le System.io, c'est seulement un service qui vous prend d'un point A à un point B, et puis que vous allez payer et partir tout seul. Pas du tout. Parce que System.io, dans System.io, il y a une marketplace avec au moins 1000 produits
à promouvoir pour avoir des commissions, au moins 1 000. Ce qui veut dire qu'il vous prévoit aussi la possibilité de gagner beaucoup d'argent tout en gardant votre liste email. Parce que l'autorépondeur du système IO, comme il est interne, tous les clients vont tomber chez vous et puis tous les clients vont rester vôtres et vous allez avoir ce patrimoine de liste et que vous allez pouvoir utiliser à bon escient à longueur du temps. Ok, voilà. Ben, je pense que ça vous a éclairé un peu et je vous assure que vous passez par un outil, quel que soit l'outil, vous allez gagner du temps. Point final. Merci et à la prochaine. Bye bye.